Emmanuel Macron en éboueur, en CRS ou au milieu des poubelles en feu. Les progrès de l'intelligence artificielle permettent de créer des images toujours plus réalistes et d'imaginer l'impensable, le président en première ligne de la contestation contre la réforme des retraites, voire même embarqué par des policiers. Aux États-Unis aussi, on teste les programmes de création de photos avec Donald Trump et sa prétendue arrestation, qui n'a pas eu lieu, sauf sur les réseaux sociaux où de faux clichés circulent d'un Trump interpellé et emprisonné. Thank you.